Ouh, magnifique. Interstellar. Je l'ai dit en plus, hein. Interstellar. Eh bien c'est le Toutes et Tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver encore dans l'espace, encore sur une nouvelle planète, mais c'est pas possible, on n'en finit plus, regardez c'est la planète Terre là-bas ou quoi? On dirait une planète potentiellement habitable. Bref les amis, aujourd'hui découverte d'un nouveau jeu spatial, d'un jeu, franchement, on est sur du Planet Crafter alike, c'est un mélange entre Palworld, Planet Crafter, Minecraft, enfin tout ce que vous voulez, on est sur Eden Crafters, le nouveau jeu de terraforming, j'ai envie de dire, de planète spatiale. Regardez, on est un petit peu vraiment dans le même esprit que Planet Crafter. Faible réserve d'oxygène. Attendez, bougez pas. J'avais vu qu'on pouvait rentrer dans le vaisseau. Et voilà, en bas à gauche, ça me rétablit l'oxygène et l'énergie. Pas d'énergie, donc pas d'énergie. Il n'y a pas d'électricité pour utiliser le vaisseau, malheureusement. Hop, donc voilà. Mais bref, donc les amis, voilà, découverte, c'est une démo actuellement. Vous pouvez d'ailleurs y jouer gratuitement à cette démo, comme moi actuellement. Hein. Il n'y a pas de contact avec les développeurs pour le moment. Ceci étant dit, ceci étant fait, on est, voilà. Alors, la différence quand même, il y a quelques différences avec Planet Crafter, pas que graphique. Hein, c'est qu'on peut également terraformer, je veux dire, réellement la map. On peut creuser, voilà. On peut creuser. Voilà, on peut faire des trous. C'est cool. La physique de l'eau également. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? On peut aller dans l'eau. Je m'attendais à ce que je fasse une bêtise. Mais on peut aller dans l'eau. Pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Bon, j'ai récupéré des minerais. Alors voilà, voilà mon personnage. On va pouvoir faire un compartiment de base. Voilà, on va pouvoir... Alors voilà, niveau rotation. Ah, on n'est pas libre. Vous voyez la différence déjà? On n'est pas libre de faire la rotation. Voilà, c'est nord, sud, est, ouest. Par contre... il y a des matériaux dans l'inventaire de votre vaisseau spatial. Ah. Ah, nous avons des plaques de fer, du ciment, boîte de nourriture, capsule d'oxygène. D'accord, j'ai juste rentré dedans pour me remettre de l'oxygène d'ailleurs. Voilà. Terminé, premier pas. Et donc du coup, je vais placer... Voilà, maintenant j'ai ce qu'il me faut pour faire, eh bien, ma base. Construire un espace de vie. Tout d'abord, vous devrez établir votre base. Les compartiments de vie sont l'endroit où votre oxygène se remplira, bien sûr. Bon, donc on va devoir la placer comme ceci. Je peux même... Ah, j'ai pas assez de ciment. J'ai pas assez de ciment pour faire un deuxième. Voilà notre petit compartiment de vie. Appuyez sur A pour ouvrir à nouveau le menu construire. Et on va pouvoir, voilà, mettre des meubles. Table de travail. Allez, c'est parti, on va mettre la table de travail. Ah, cette fois-ci, on peut la rotationner comme on veut. Hein, c'est dommage que le compartiment, on puisse pas la rotationner comme on veut. C'est pas grave. Allez, on va la mettre pile en face de la porte. Voilà, et on a donc des recettes de construction. Et ça va se passer là-dedans. Voilà, on va pouvoir faire des lingots de fer, des plaques de fer, des barres de fer, des lingots de cuivre et du ciment avec des rochers. Donc c'est typiquement ce qu'on veut. On est en train de fabriquer du ciment. Voilà. Là, j'ai fabriqué du ciment. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir refaire... j'ai pas assez de ciment. J'ai pas assez de ciment, il me refaut de la pierre. Donc on va chercher de la pierre. Ça, c'est du cuivre. Ça, c'est du fer. Encore du cuivre. Voilà, on va récupérer un petit peu tout ça. On va bien voir ce que ça va nous proposer. Votre compartiment de vie a besoin d'un panneau électrique pour supporter plus d'équipement. D'accord. Alors on va faire ça. On va faire ça. Ah, j'ai plus d'énergie. Ah, c'est bon. Très bien. Cobalt, on a le cobalt aussi. C'est rigolo, hein, c'est vraiment les mêmes minerais. Oh, du quartz. Incroyable. Ah, ça on peut pas prendre. On a déjà du quartz. Alors comment on fait tableau électrique, il faut du câble. Et comment on fait des câbles? C'est ça la bonne question, comment faire des câbles? Alors ce qu'on va faire... Oups. Voilà, fabriquer des câbles, il faut des lingots de cuivre. Et pour faire des lingots de cuivre, il faut des plaques de cuivre. Ah non, il faut des minerais de cuivre. Ok, vas-y, je fais. Voilà, maintenant je peux faire deux câbles. Et maintenant que j'ai mes deux câbles, je vais pouvoir faire le tableau électrique. On peut le mettre dehors ou pas? Ah oui, on peut le mettre dehors sans aucun problème. Hop, on va foutre ça là. Hop, nous avons donc le tableau électrique. Nouvelle recette, capsule d'oxygène. Vous pouvez étendre votre base en plaçant d'autres compartiments, bien sûr, évidemment. Ça, c'est ce que je voulais faire, bien sûr. Mais il me refaut du ciment.
Il me faut du ciment. Et on avait dit que pour faire du ciment, il nous faut des rochers. Eh oui, mais comment on fait pour avoir des rochers? Ah, tout simplement. Tout simplement en faisant ça. Donc vous avez vu, on peut se faire des tranchées. Alors je sais pas jusqu'où on peut descendre. Je suis assez curieux de voir. Fabriquer des objets plus complexes. Avant de pouvoir créer des machines plus avancées, vous aurez besoin de nouveaux équipements. Mais attendez, on peut vraiment descendre dans les caves moins, en couche moins 12 là pour chercher le diamant? Incroyable. Ah, on est sous l'eau là. Il y a de l'eau. Ah, je pense que ça n'a pas été encore prévu. Ouais, ça n'a pas encore été pensé pour faire ce que je suis en train de faire. Excusez-moi. Hein. Moi, vous me donnez les possibilités, je les utilise. Hein. Alors, du coup, on va faire directement le ciment. Voilà, on va se faire quand même une base un tout petit peu plus grande. Voilà, ça devrait être pas mal. Et là, donc, base. Voilà, on a grandi par ici. Ah, c'est superbe. Pas assez de ciment. Ah, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Voilà, je peux pas en faire plus de toute façon. Donc là, hop, on va aller par ici. Voilà, et par là. Pas assez de plaques de fer. Non, mais tu plaisantes. Plaques de fer, comment on fait? Plaques de fer, mais il faut des lingots de fer. Et pour faire des lingots de fer, il faut des minerais de fer qu'on a déjà. Voilà. Alors, tu dis quoi maintenant? Hein, tu dis que j'ai pas assez. Salauve. Ah, j'ai pas assez de ciment maintenant. Attendez, je vais... C'est important, là. C'est important, il faut quand même... qu'on agrandisse tout ça. Mais voilà, donc on est quand même sur une idée pour le moment, hein, Planet Crafter alike, mais avec vraiment des fonctionnalités différentes, enfin un gameplay différent, et oui si quand même des features différentes, hein, le fait qu'on puisse, voilà, on n'a pas, bon après c'est une démo pour le moment, hein, c'est vraiment juste, c'est même pas une démo en fait, je sais même pas comment expliquer, je considère même pas ça comme une démo, je considère ça comme un playtest vraiment expérimental quoi, mais voilà l'idée clairement. Il n'y a pas d'indice de terraformation. Il y a quand même... Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis pour le moment, de toute façon, on peut même pas comparer réellement, quoi. Hein. Voilà. Je me suis même pas renseigné sur le studio de développement. Je suis bête. Le studio de développement de ce jeu, si ce sont des Français ou pas, je ne sais pas du tout. Mais, parce que Planet Crafter, ce sont des Français, ce sont des Toulousains. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Utiliser le menu construire pour placer un producteur de plantes. Alors, on peut faire des murs, on peut faire des fenêtres. Oh. Poubelle, producteur de plantes. Il nous faut du quartz, surtout des plaques de fer. Allez, on va chercher ça sans aucun problème. Oui, parce qu'il va nous falloir de la nourriture. Parce qu'on a deux trucs de nourriture sur nous, je crois. Si je dis pas trop de bêtises. Hop, le quartz. Ça, c'est bon. Mais on n'a pas, pas de quoi tenir longtemps, quoi. Ah, du fer ici, et du fer là. Très bien. C'est très joli par contre. Enfin, ça fait vraiment très très interstellar en fait. Ça fait vraiment interstellar en plus. Hein. En plus, j'ai repris mon abonnement Netflix. Je crois que je vais me refaire Interstellar. Obligé. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Mais bon, c'est le genre de film, tu peux regarder... tu peux regarder maintes et maintes fois. Bon, surtout quand t'aimes l'espace... Inouï de l'amour. Je devais faire quoi là? Je me suis un peu enflammé. Producteur de plantes. Ah oui, quartz c'est bon. Plaque de fer. Plaque de fer. Hop. Et hop. Voilà. Donc, producteur de plantes. Mais j'ai pas assez encore. Plaque de fer. Mais tu te fous de moi? Il me refaut encore un fer. Oh non, excusez-moi. Attendez, on va aller par là-bas. On va un petit peu varier les plaisirs. On va un petit peu varier les plaisirs. Voilà. Attends, tu vas pas me dire que j'ai pas assez quand même là. Voilà. On récupère aussi dans le doute. Voilà. Ah, mais en fait, je viens de capter que t'as les raccourcis en bas. T'es même pas obligé de passer par le menu construction. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas encore. Comment se fait-ce? Là, t'as l'inventaire. Ouais, ok. D'ailleurs, on peut voir la santé, donc 18 degrés la température de notre corps. Normalement, c'est pas du tout la température du corps, c'est la température de la planète. Hein. Parce que si le corps faisait 18 degrés, je crois qu'il y a un petit problème. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est pas normal, sinon. Hop, lingot de fer. Plaque de fer, et là, normalement, tu peux pas me dire que je peux pas le faire. Hein. Producteur de plantes, c'est bon. Ouais, mais on va le mettre juste ici. On va le rotationner comme as.
Oh, c'est magnifique. Et là, hop, on va pouvoir mettre dedans. Rien du tout. Producing organique. Y a rien à faire? Organique. Ah, c'est comme ça, c'est automatique. D'accord. Et avec ça, on fait quoi? Pour rassembler des ressources, rapidement trouver un grand gisement de fer et placer un mineur à proximité. D'accord. C'est de l'exploitation de mineurs, ça. Alors attendez, bougez pas. Ouais, parce qu'ils ont pas, ils peuvent pas encore faire des auto-entreprises et du coup on les exploite au black. Ah non, ça n'a rien à voir. Des mineurs. Putain, mais il y a plein de choses là. Rayures jaunes, incroyable. À quoi ça sert, je ne sais pas, mais j'ai envie de. J'ai envie de faire. Oh waouh. Superbe. J'avais envie d'essayer. Comment on fait? Compartie énergie. Ah, là. Ah bah, il faut encore des plaques de fer. Non, mais là, je vais péter un plomb. Bon, là, il nous faut beaucoup de fer. Il nous faut beaucoup de fer. Et une fois qu'on aura beaucoup de fer. Eh bien. Ah, je récupère du cuivre. Il nous faut du fer. Il faut combien pour faire? Parce qu'en fait, il faut énormément. Hein. Il faut énormément. Parce qu'il faut 3 plaques de fer. Donc, enfin, pour 3 plaques de fer, il faut déjà. Je crois 6 lingots de fer. Et pour faire 6 lingots de fer, je crois qu'il faut 12 trucs de fer. Je dis un truc au hasard, mais dans l'idée. Dans l'idée, je crois que c'est ça. Et alors, pour votre information, clic droit, clic gauche, c'est pareil. Hein. Oh! Non! Ah! On peut choper à distance! Ah, c'est superbe! Ah, c'est vraiment une plus-value, hein. Ah vraiment, c'est ce qui va me faire abandonner Planet Crafter. Hein. Pas du tout. Ah c'est génial. Non en vrai c'est pas, c'est l'idée est pas mauvaise. Ah, l'idée est pas mauvaise du tout. Alors vous avez vu, il n'y a pas de notion d'inventaire plein. Hein. On peut transporter à l'infini visiblement. Par contre là je vais mourir. Oxygène. Voilà, je viens de me prendre une oxygène. C'est pas grave, j'ai claqué. Vaut mieux, hein. Ce serait dommage de mourir. Hop. Voilà. Ok. Et par contre, si après on arrive à faire d'énergie, on n'y est pas encore, et bien on pourra même décoller avec le vaisseau. Et ça, par contre, c'est super stylé. Donc là, voyez, je veux faire des lingots de fer. Non, pour faire des plaques de fer, il faut. Pour faire une plaque de fer, il faut 2 lingots de fer. Sauf que pour faire 2 lingots de fer, il faut. Alors attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah ça devrait suffire. Ah non, regardez, je fais une plaque de fer. 2 plaques de fer. 3 plaques de fer, tout pile assez. Oh, magnifique. Tout pile assez, on va pouvoir mettre un mineur. Ouais mais d'abord, il va falloir qu'on mette ça près d'un... Près d'un endroit où il y a beaucoup de fer en gros, c'est ça? Et là, bah, j'ai tout utilisé en fait. J'ai utilisé toutes tes ressources. Mais on va aller là-bas. On va aller là-bas. Oh, il y a quelque chose là-haut. Il y a des trucs là-haut, on dirait. Voilà, on va se mettre là. Mais tu sais quoi, de toute façon. Mineur. De toute façon, c'est censé miner. C'est comme sur Planet Crafter, donc. Ça devrait me trouver sans problème. Mineur. Ah, voilà, ça prend des rochers. Alors attends, parce que là, je suis en train de capter. Il me prend que des rochers, en fait. Il me prend pas de fer, là. Je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer, messieurs, dames. Ouh, magnifique. Mais par contre, là, on... De ce que je suis en train de voir, on part du principe qu'il y a déjà une atmosphère, là. Hein. Là, il y a déjà une atmosphère. De toute façon, il y a de l'eau. Mais déjà, c'est pas normal. Il y a de l'eau. Ok, de l'eau liquide. Et il y a déjà une atmosphère. Pourquoi il n'y aurait pas de vie? Et pourquoi on a une combinaison, du coup? C'est pas ça, mais pourquoi on aurait besoin d'oxygène s'il y a déjà de l'atmosphère? Hmm. C'est bizarre. Oh, c'est stylé. Faible réserve d'oxygène. Je suis en train de tout claquer, je suis débile. Je peux pas faire vite un compartiment? Non, dommage. Dommage. Bon, j'ai pas capté où c'est que je devais mettre le mineur. Construisez un banc d'assemblage et vous permettra de fabriquer des pièces, des machines et des objets avancés. D'accord. Là, il y a du fer. Attends, tant pis, je vais claquer ma dernière capsule. Et on va mettre donc la machine ici. Et là, peut-être. Mais non, ça mine des rochers. Bon, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut le mettre sur le fer là? Ah non. Là, je comprends pas du tout.
Là, je ne comprends pas du tout. Par contre, contemplez-moi ça. Hein. Waouh. Très sympa. Hein. Très, très, très sympa. Hein. Les planètes tournent. Les planètes tournent et bougent. Ça, c'est bien. Parce que ça, on va pas se mentir que sur Planet Crafter, c'est pas dynamique. Forge, d'accord. Énergie, d'accord. Bon. Je suis pas forcément friand pour le moment. Oh! Ah bah oui, on peut remettre de la terre pour combler les trous qu'on a fait. Superbe. Ça c'est pas mal. Du coup si là je voulais pas d'énergie, si je voulais mettre de l'énergie là. Il y a pas d'énergie mais il y a de la lumière par contre. Si je voulais mettre de... Puis il fait nuit là, comment on met de la lumière? Trop de questions qui me viennent en tête. Énergie, plaque de fer. Ah non, produit d'électricité dans un réseau électrique local qui connecte toutes les sources d'énergie à proximité aux machines nécessitant d'électricité. Donc ça va pas marcher pour le vaisseau à mon avis. À mon avis ça va pas marcher. Construisez un banc d'assemblage. Là, banc d'assemblage. Ah il faut en plus... Engrenage, comment on fait ça encore? Oh mais c'est pas possible. Engrenage, caoutchouc. Il faut que du fer. Il faut que du fer. Bah ouais, faut passer son temps à miner là. C'est classique. Mais ah, on a une petite lampe de poche quand même. Et j'ai l'impression que la nuit va durer moins longtemps que le jour également, comme sur notre jeu. Et ça c'est top, hein, parce que sinon c'est terrible. Ouais, donc là faut que récupérer du fer. Bah d'où la machine quoi. Mais la machine n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, elle récupère des rochers, donc... pas compris. Alors, vous avez vu, quand t'as plus d'énergie, ça te demande de l'énergie, en fait, de récupérer des ressources. Non, mais franchement, à essayer. Faut essayer, les gars. Là. De toute façon, c'est gratuit, la démo, là, sur Steam. On a tous accès à la même. Donc, faut vraiment pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. Ouais, je l'ai peut-être mal placé, la machine. Je l'ai peut-être mal placé, je vais la reprendre. Il me reste la moitié d'oxygène. Je vais jamais y arriver. Non, je vais jamais y arriver, je vais mourir. Hop. Oh, j'ai récupéré des... Ah oui, des plaques de fer, oui, bah oui, la machine. Je vais pas y arriver. On va viser le vaisseau pour prendre l'oxygène dedans, mais je vais pas y arriver. Allez, fonce. Fonce, ça peut le faire. En vrai, on a de la chance. On a de la chance. Voilà, c'est bon, on a à nouveau de l'oxygène. On va placer la machine ici. Hein. Il n'y a pas d'indication qui dit que là on peut trouver du fer. Quoi. Ah non, il y a une mine du rocher. Non, mais je comprends pas là. On va pas aller loin là avec des rochers là. Je suis débile, Bah ouais, je suis débile. Bon bah là ça va être vraiment automatique, on va avoir plein de fer, c'est impeccable. Ça c'est impeccable. Et non, en effet la nuit dure aussi longtemps que le jour visiblement. Manifestement. Mais bon là on a la différence de, t'as vu, t'as pas besoin de faire de sac à dos T1, T2 machin pour transporter plus d'objets. On peut vraiment transporter peut-être pas autant d'objets qu'on veut, mais on a déjà un bel inventaire et surtout eh ben, on peut tout combiner à foison quoi. Chose qu'on ne peut pas faire sur Planet Crafter et qui est pas une mauvaise chose pour faire un petit peu quand même des comparatifs hein. Ah oui non mais là c'est impeccable, là ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus. L'oxygène, attention l'oxygène, donc là on peut faire une porte hein, si on voulait, mais j'ai pas les ressources nécessaires. Bah on en profite, on va faire les lingots de fer, voilà. Donc tu veux des plaques de fer, je vais t'en faire. Voilà. Les barres de fer. Voilà. Alors attendez, j'ai 3 barres de fer. Je sais qu'il en fallait 3. Bande d'assemblage. Pas du tout. Ah si ! Si. Pour faire l'engrenage. Voilà. Paf ! Voilà, donc là j'ai fait l'engrenage. Ah, il veut 2 engrenages, le salaud. Et il veut du câble aussi. Il veut du câble aussi. Et pour le câble, c'est du cuivre par contre qu'il faut. Ah mince.
J'avais pas pensé au cuivre. Attention à la nourriture par contre qui va vraiment en train de descendre. Et j'ai toujours pas encore vraiment la nourriture. Ok, j'ai un cuivre ici. Cobalt. Si tu aimes cette démo, appuie sur F8, add the full game wish. Ok, d'accord. Oh, le jour se lève, ça fait plaisir. Oh, waouh, c'est magnifique. Ah non, ça pète les yeux magnifiquement par contre. Oh là là, le soleil qui se lève comme ça. Enfin, le soleil. Si je puis dire le soleil. C'est une étoile en tout cas, c'est une étoile brillante. Incroyable. Hop, on récupère. Ah, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Mais c'est très plat. C'est une démo, mais c'est très plat. C'est, enfin, je sais pas comment dire, c'est très, voilà, on se contente de ça, c'est vraiment, après je m'y connais pas, hein, mais, ah merde, lingot de cuivre, en fait j'avais ce qu'il fallait, je suis bête. Hop, donc là j'ai un câble, je crois qu'il en voulait deux. Hop, voilà, j'ai le deuxième câble, ensuite il voulait quoi, à chaque fois j'oublie, j'ai une mémoire de poisson rouge. Eh ben, un engrenage donc, pour faire l'engrenage qui est là. Il faut 3 barres de fer. Et pour ça, il faut des lingots de fer. Ça fait réfléchir. Hein. Voilà. On fait les barres de fer. Et on fait l'engrenage. Et voilà. Et là, on va pouvoir faire le banc d'assemblage. Et on va le mettre ici. Ça me paraît pas trop mal. Nouvelle recette de construction balise. Let's go. Ouais, on débloque toutes les recettes au fur et à mesure, c'est bien. Donc là-dessus, on va pouvoir faire du circuit imprimé. On va pouvoir faire poutre de fer, rotor. On peut être utilisé pour fabriquer des pièces ou des machines avancées. Donc ça continue encore et encore. On peut faire un ordinateur et un réservoir d'oxygène standard. Voilà. Pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Escalier extérieur. Ah ouais, on débloque pas mal de choses. Donc on a plusieurs catégories. Bien sûr, production, base, meubles et fondation. Oh là là, planche de bois. Ah, c'est avec ça l'organique. D'accord, mais moi je veux de la nourriture. Organique, moi je veux bien. Mais comment on fait à manger? On peut faire un conteneur maintenant. Non mais on a débloqué plein de trucs là. Mineur avancé, d'accord. Vitre. Oh. Oh, je veux direct. Comment on pose la vitre? Comment? Comment on pose la vitre? Waouh, tout ce qu'on a débloqué. Vert. Ah bah voilà, oh, on peut faire de différentes couleurs en plus. Incroyable. Ah oui, c'est vraiment Minecraft. C'était pas exactement comme ça que je voyais la chose en vrai de vrai. Ah, fenêtre. Ah, voilà. Attendez, il faut du ciment. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir... Base, fenêtre. Ah, superbe. Magnifique. Alors par contre... C'est un peu sombre. C'est un peu sombre. Oh putain, on a débloqué une double fenêtre. Et oui, plus tu vas crafter des trucs et plus tu vas débloquer. C'est le principe même de l'évolution. Ah, ça fait plaisir. Mais là au moins tu peux placer des murs comme tu veux dans ta base. Ah ouais, vraiment comme tu veux pour le coup. Ah ouais, tu peux faire des séparations. Les machines plus avancées nécessiteront beaucoup d'électricité. Ah oui, il faut de l'électricité aussi. Donc là, il va falloir placer une éolienne. Alors... Plaque de fer, barre de fer. Bah là, on a ce qu'il faut, hein, t'inquiète pas. Plaque de fer, barre de fer. Je te fais ça tout de suite. Voilà. Plaque de fer. Bah, normalement, j'ai pas assez encore, mais... Ok, il me faut encore juste deux petites plaques de fer. Donc, on va aller chercher ça, sans aucun problème. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, jusqu'à présent? J'aime bien ce qui se passe. C'est plutôt sympa. Ah, ça se bloque à 30, par contre. Faut faire attention. Faut pas, voilà, faut y aller quand même régulièrement. J'aime bien. J'aime bien ce qu'on me propose sur cette démo. C'est quand même bien guidé, heureusement. Parce que quand t'es lâché comme ça à l'aventure sans savoir quoi faire, c'est compliqué. On peut même épingler une recette. D'accord, mais tu peux pas en épingler plusieurs par contre. On voulait faire quoi? Plaque de fer. Voilà, et donc là maintenant, on va pouvoir mettre la petite éolienne. La petite, oh waouh. On la met au bord de l'eau évidemment, hein, celle où il y a le plus de vent. De toute façon je pense que là il y a quand même pas mal de vent. Et voilà, et donc nous avons 7 mégawatts. Fournir 100%.
Pour rassembler toutes les ressources nécessaires, crée un mineur avancé. Le mineur avancé, toujours plus, on ne s'arrête pas. On veut mon pognon, j'ai compris. On va suivre la démo jusqu'au bout, les gars. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Moi, on m'a vendu que l'eau était dynamique et qu'il pourrait y avoir des petits tsunamis et trucs comme ça. Ça, c'est stylé. Hop, on va claquer tous les lingots de fer. On va réfléchir à ce qu'il nous faut. Donc, attends, on va juste d'abord faire le ciment. Comme ça, au moins, je suis tranquille avec le ciment. Voilà. Il veut également de l'engrenage. Voilà. Comme ça, là, au moins, on sait déjà que ça, c'est bon. Ah, il en veut 4, le salaud. D'accord. Barre de fer, plaque de fer et engrenage, en fait, il veut, hein, tout simplement. Donc, on va faire un petit peu de tout. Voilà. Qu'est-ce que tu veux encore, bébou? Dis-moi. Eh ben, on est tout bon. On est tout bon. Il faut juste encore les engrenages. Et donc, pour les engrenages, eh ben, on a ce qu'il faut en plus. Oh, dommage, il en reste un seul. Ah, mais du coup, ça m'a coûté des barres de fer. Ah, c'est salaud, ça. Ça, c'est salaud. Oh, on a une carte. Oh là là, j'avais même pas fait gaffe. Nous avons la carte. Alors, vous m'excuserez. Vous m'excuserez. Bon, c'est une démo, c'est tout petit. Donc on leur pardonnera cette forme absolument magnifique. Ok. Très très bien. Il y en a les tâches. Les objectifs qu'on est en train de faire. Waouh, l'éolienne, magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on va récupérer le fer là-bas. Peut-être partir explorer ce qu'on peut explorer éventuellement. Ça peut être cool. Ça peut être très très cool. Ah, du coup, c'est des raccourcis en bas de ce qu'on a crafté et qu'on pourrait recrafter en fait. Je pense. Mais bon, c'est un petit peu... En fait, c'est présenté bizarrement, je trouve, d'avoir mis en fait l'inventaire en bas. Je trouve ça un peu bête. Enfin, d'avoir mis les possibilités de craft dans la... comme si c'était un inventaire en bas, là, comme ça. Je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est pas moins original. Hein. Faut essayer. Et y a pas moyen d'aller plus vite. On peut pas tout faire d'un coup. C'est bien dommage. Ouais, ça va me coûter gros, ça... Ah bah non, il faut juste un seul engrenage, voilà. Et donc là maintenant, je vais pouvoir fabriquer mon mineur avancé. Placer près d'un gisement de minerai pour commencer l'exploitation minière. Ok, donc on va enlever l'autre là, on va remplacer. Et ça va être beaucoup plus efficace, je pense que ça y sera plus rapide et surtout qu'on pourra aller au-delà de 30, je pense. Donc je le prends et je mets le mineur avancé. Oh oui, il est gigantesque en plus. Oh mince. Ah oui, là c'est un tout autre niveau. Ah oui! Ça va bien plus vite et on a, bah, je pense, 30 x 3 à mon avis. Utiliser un convoyeur pour connecter le mineur avancé à une forge. Oh! Convoyeur! Excellent! Alors, faut réussir à connecter ça. Oh! Oh! Mais dis-moi, mais c'est super chouette. Ah, on peut même faire tourner le... Arrête. On peut même faire tourner le... Alors, c'est pas forcément évident. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah, j'ai pas assez de plaques de fer. J'ai pas assez de plaques de fer. Ah, c'est exceptionnel. Alors ça, c'est exceptionnel. Je trouve ça exceptionnel. Ça y est, je suis enthousiaste. J'étais pas forcément très enthousiaste au début. Ah, mon cochon. Par contre, pour le connecter... Attends, utiliser un convoyeur pour connecter mineur avancé à une forge. Ah voilà. Mais il faut quand même faire une forge, attention. Hein. Producteur de pièces, ok. Forge. Ok, t'es un petit gourmand, toi. Hein. Donc d'abord, faut quand même placer la forge. Hein. On va peut-être pas s'enflammer. En fait, tout va être automatisé. Oh, c'est incroyable. Tout ce qu'on vient de récupérer là. Non mais là par contre, ça change toute la vie de... Là, tout ce qu'on galère sur Planet Crafter, il faut l'avouer que là, c'est quand même assez vite réglé. Après, est-ce qu'on s'ennuierait pas vite? Je ne sais pas. Mais waouh, impressionnant. Par contre, ça c'est long. Hein. Le temps que tu gagnes avec tes machines, tu le perds là-dedans. Hein. C'est un peu redondant. Tu pourrais faire un type beat dessus là.
Yo le rap. Voilà, et là je vais pouvoir faire ma petite forge. On va la mettre juste à côté de la base, hein. On est malin nous, hein. On est malin. Ah, ça vient des deux côtés, droite gauche. Alors attends, bougez pas. Tout à fait. Et là, alors attendez, parce que là j'aurais pas assez. Nouvelle recette de construction casier. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Là il faut juste des plaques de fer. Donc là je vais juste faire plein de plaques de fer. Et comme ça on va connecter tout ce bazar à la forge. Ça va être incroyable. Ça va être absolument incroyable. Par contre n'attendez pas de let's play, hein, les amis, hein. Bon déjà de 1 il y a Planet Crafter qui suffit largement, hein, dont je me régale avec Ludo. Mais surtout bah, c'est une démo, donc là il n'y a pas de quoi faire un let's play. Me semble-t-il que bah, ça... Je pense qu'on va être bloqué à un moment donné. On va être limité quoi. Analyse radar, ok. Donc là est-ce que je peux... Bien sûr. Oh. Oh là là. Oh là là. Et je peux aller dessus? Oh là là. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Nouvel objectif, terraformation. Par contre, j'ai faim là. Utilisez le menu construire pour créer une pompe à eau. Il doit être placé sur la côte. Une pompe à eau. Moi, je veux une pompe à manger, moi. Tu la trouves où ta pompe à eau là? Conteneur. Ah, tu peux faire des conteneurs pour stocker des coffres et tout. Oh là là. Oh. C'est légendaire. Et là-dedans... Ouais, là-dedans tu peux... Ah, tu peux... Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Bon, vous avez compris, hein. Là, tu remets des rails et ça met tout automatiquement dedans. Oh, c'est incroyable. Par contre, j'ai faim, comment je mange? Comme ça. Voilà, j'ai mangé. Lorsqu'il est utilisé, il restaure votre santé. Mais du coup, comment je fais pour avoir mangé moi? Comment on fait à manger? Est-ce qu'il faut pas mettre ça dedans? Je pense pas. J'ai pas compris comment on fait à manger. Et ça, ça va être très 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 compliqué. Pompe à eau, plaque de fer et rotor. Alors le rotor. Ration de nourriture, mais gros. Bon, la nourriture est là, hein. On a trouvé la nourriture, messieurs, dames. On a trouvé la nourriture. Je suis débile. Je suis tellement bête. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà, là, comme ça, on se fait des petites rations de nourriture. Ah oui, là, on va être très, très bien. On va être très, très bien. C'est long, mais c'est très, très bien. Voilà. Et donc là, maintenant, je mange. Ah, ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien. On a dit rotor. Le rotor. Il est où le rotor? Mais il n'y a pas de rotor là. Oh, panneau solaire, incroyable. Comment on fait un rotor? Attendez, il y a un problème là. Utilise le menu construire pour créer une pompe à eau. La pompe à eau. Non mais là il y a un truc que je pige pas. Plaque de fer, d'accord. Il faut le rotor. Ah, attendez, c'est par ici. Bien sûr, le rotor, câble et courroie en caoutchouc. Oh, mais là, tu demandes beaucoup de choses quand même, mon copain. Alors déjà, on va faire le caoutchouc. Ah, j'ai pas assez. Ok, c'est avec l'organique qu'on fait ça en plus, ça tombe bien. Hop. Voilà. Redis-moi. Courroie en caoutchouc, mais comment on fait ça? Courroie en caoutchouc. En grenade. Ah, la courroie en caoutchouc. Allez. Ah, il en voulait peut-être plus. Ah, il en veut. Ah, il en veut deux. Eh, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Bon, par contre, ouais, vous avez vu ça? Ça, les gars? Oh! C'est incroyable. Et alors, ça, tu rajoutes. Donc, tu rajoutes ça, là, au conteneur. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs de ce pas. Hop. Voilà. On va prendre le conteneur. On va se le foutre. On peut faire un conteneur avec 4 entrées en plus. Non, mais c'est. Laisse tomber, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que je peux pas le connecter directement? Non, je pense pas. Bon. On va faire ça. Et donc là, je prends ça. Tac. Et tac. Et là, ça ressort en lingot. Et ça se met. Non, mais j'ai pas les mots là. J'ai pas les mots. Et on a déjà du lingot. Ça régale. Allez, je vais faire des plaques de fer là. En fait, tu peux vraiment tout automatiser. Et ça, c'est vraiment, vraiment superbe. Ah, mais attends, matériaux. Ah non, je croyais qu'il y avait un autre menu. Je croyais qu'il y avait un autre menu de fabrication.
Alors je sais plus que... Alors, je sais plus ce que je dois fabriquer, donc je vais tout faire. Parce que bah j'ai littéralement toutes les ressources. Ah, il y a juste le cuivre. Il y a juste le cuivre que je n'ai pas et qu'il me faudrait là pour continuer les crafts. Donc comme ça on va en profiter pour un petit peu marcher. Bon, il fait nuit du coup. Ok, j'en ai un là. Fer, on n'a pas besoin de ramasser le fer du coup. Là, cuivre. Quartz. On va récupérer le quartz en vrai. Je pensais pas que ça allait être aussi sympa, pour être honnête. Pour une démo en plus. Bon, on a assez de cuivre normalement. Voilà. Non, franchement, agréablement surpris. Oh, une nouvelle planète, on l'a pas vu celle-là encore. On l'a pas vu celle-là encore, putain. Bon, les planètes rapprochées comme ça, ça, y a aucun monde où ça existe, hein. Ou alors on est en train d'être propulsé dans tous les sens et il y a tellement une attraction qui fait qu'on le ressent pas, mais bon, c'est impossible normalement. Je crois, hein. Après je suis pas non plus physicien, je suis pas astronaute, je suis rien de tout ça, je suis même une énorme merde. Oh là là, les lingots de fer, non mais... Ah, ça se stack par 30 en fait, hein. Quand je disais qu'on avait l'inventaire full, en réalité ça se stack par 30. Donc ça va. Mais Planet Crafter est plus compliqué à ce niveau là quand même. Allez, je vais faire les engrenages tout de suite, comme ça c'est fait, parce qu'il me semble que j'ai besoin de faire des engrenages. Tu me confirmeras. C'était quoi que je vais faire? Forge? Non mais non, c'était quoi que je vais faire? Ah, c'était ça. Ah oui, pour le rotor. Et le rotor... Ah non, il veut des câbles, pardon, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, donc là on va refaire du caoutchouc. On fait tout en même temps, tout en parallèle. Voilà, on fait ensuite les courants en caoutchouc. Et ensuite, on vient là. Et c'est bon. Et il faut du câble. Il faut du câble. Et pour faire... Ah, c'est ça. Pour faire du câble, il faut des lingots de cuivre. Voilà. Oh non. Oh non, il me faut deux... Non mais frère, c'est trop. Il me faut deux câbles. Non mais on va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Il faut encore du cuivre. Il faut encore du cuivre. Mais non, mais non, mais non. Il faut encore du cuivre. Bon, bah manifestement... On va y aller. Ça, c'est une planète qui m'a l'air gazeuse, hein. Ah non, elle m'a l'air gazeuse, mais il y a des sortes de cassures qui fait que c'est plutôt une planète tellurique, en fait. Je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Un cuivre. Donc, du coup, j'ai bien compris qu'il m'en faut encore, en fait. Cuivre. Bon, ça va, il y en a... Il y en a quand même, hein. Il y en a quand même. Et là-bas, il y a d'autres trucs où on peut mettre des mineurs aussi. Des extracteurs. Et là, tu peux aller les faire venir là avec le tapis roulant. Pff, en fait, tu détruis littéralement la planète. Ben, ça, c'est le principe même de la terraformation. Mais ah, c'est chouette, c'est super chouette. Je sais pas du tout jusqu'où on peut aller, à quel moment la bêta se termine. Mec, eh, regardez, ça, c'est la planète qu'on avait vue tout à l'heure. Elle était beaucoup plus proche. Et là, elle est plus loin. Elle s'éloigne. C'est-à-dire qu'elle a un orbite... comment ? Ovale, je sais pas comment on dit. Si c'est la même, c'est excellent. Incroyable. Alors attendez, oui, calme-toi, Bichetta, bien se passer. Voilà. Voilà. Là, on va enfin pouvoir, messieurs, dames, faire le rotor. Et j'espère qu'il en faut qu'un seul, hein. Et du coup, pompe à eau. Il faut deux rotors. Il faut deux rotors. Oh, bon, le caoutchouc, ça c'est pas du tout un souci. C'est long, mais c'est pas un souci. Je vais péter un plomb. Ah, on peut faire des capsules d'oxygène aussi du coup là. Ah, c'est bon. Oh là, non, 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 non. Non, j'ai claqué mon organique pour ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Oh, c'est phénoménal, hein. C'est phénoménal. Attends. Comment ça? Ah, mais j'ai déjà des lingots de fer en plus, c'est vrai ça. Attends, je suis à deux doigts de vouloir mettre un mineur avancé là-bas. Attendez. J'ai envie de mettre un mineur avancé là-bas, là où on a vu là. Parce que de toute façon, il me faut du cuivre, donc je vais aller là-bas. Voilà. Donc là, attendez. J'ai ce qu'il faut pour faire. Le mineur avancé, c'est bon. Et après, pour faire ça, il faut juste des plaques de fer. Ok. Donc on va encore faire des plaques de fer. Je crois qu'en termes de lingots de fer, de toute façon, on n'est pas trop mal dans l'inventaire, si je puis me permettre. J'espère que ça me suffira.
J'ai peur que ça me suffise pas en fait, tout le truc que je vais faire, je ne sais pas. On va voir. Stop. Voilà, on va arrêter ici. Alors, on va aller là-bas. Ouais, ça me paraît quand même vachement loin. Il n'y a pas un truc plus proche? Il n'y a pas un gisement plus proche? Non, j'ai pas l'impression. Ah, j'ai peur que ça suffise pas. Bon, on sera vite fixé, mais... Non, il n'y a pas de gisement plus proche. Ah oui, il fait loin quand même. Et donc là, on en profite pour récupérer du cuivre. Là, il nous en faut, je crois, 16 en fait au total. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge là. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors. Là, on va mettre le mineur avancé. Et me dis pas qu'il n'y a pas assez d'énergie parce que je vais péter un plomb. Ok. Et là, convoyeur. Et là, j'espère vraiment qu'on aura assez pour aller jusque là-bas. Oh là là, le retour du lever de soleil. Tu sais quoi, on va déjà commencer. Voilà, comme ça je suis sûr qu'on a assez. Mais j'ai l'impression qu'on aura assez et en même temps je suis pas sûr. Bon, ça vole dans le vide hein, quand même le truc hein. Oh, on aura pas assez, j'ai trop le seum. Bon, on va déjà jusque là. Ok, on a eu assez, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On va juste reprendre un petit peu de respiration. Voilà. Et en vrai, tu sais quoi, va là. Oh, j'ai pas assez. Et là je peux aller ou pas? Est-ce qu'on peut aller là ou pas? Mec, c'est incroyable. Attends, de toute façon on fait le test si je vais là. Ah, je sais pas si ça va marcher. Bon, on sera vite fixé. Ah mince. Ça va pas marcher ça. Attendez, je suis curieux de voir ce qui va se passer, si ça va marcher ou pas. Je suis curieux. Je suis curieux. Bon, là il me faut du cuivre. Là il me faut du cuivre, ça c'est du cobalt. Non, c'est du cuivre. Allez. Ah ouais, quand t'as pas d'énergie c'est terrible. Quartz, fer, cobalt. Donc là il y a tous les minerais là qui sont en train de se promener, on va voir. On va voir si... Par contre j'ai pas pris de capsule d'oxygène, je suis bête. Waouh. Cobalt, ça je reconnais maintenant. Cuivre. Ok. Cobalt. Bon, on va rentrer. Alors vas-y. Je pense que... Ah bah voilà, on va encore plus vite en faisant ça. Ah non mais c'est bugué. Je perds plus de temps en fait. Allez. On va voir si c'est bugué ou pas. Non, je vais mourir. J'ai pas assez d'oxygène, j'ai trop le seum. Bon, là je me suis vraiment débrouillé comme un naze. Je sais pas ce qui va se passer si je meurs. Ça permet de faire l'expérience. C'est dommage hein, parce que je suis arrivé là. Oh, ça va. Ça va, tu perds en fait ta vie quoi. Hop, voilà. Du coup, il se passe quoi? Ah, je crois que ça rentre en collision avec le mur. Ah non, c'est pas encore arrivé en fait. My bad. C'est pas encore arrivé en fait. Ouais, c'est... Le parcours est long. Bah écoutez, on va voir ce qui va se passer. Moi, je vais plus vite que le tapis. Excellent ça. Ouais, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Oh non. Je me suis chié dessus. Bon bah, je crois que le tsunami arrive. Et alors là, c'est le... Voilà, c'est la partie où je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je peux au moins faire l'expérience avant de mourir de si... Si ça passe ou pas. Vague dangereuse. Oh, la musique, elle est super connue, la musique. Non mais attends, attends, la musique, je suis désolé hein. Il faut que je l'enlève parce qu'elle est super connue. Mais je crois qu'elle est copyright. Mais waouh. Interstellar. Je l'ai dit en plus hein. Interstellar. Alors, ça passe à travers. Ça passe à travers. Bon bah c'est bon à savoir. C'est bon à savoir pour le moment, c'est plutôt cool. Ça passe à travers. Maintenant, est-ce que... Oh, s'il te plaît, dis-moi qu'on a le temps de voir que ça va dans la forge. S'il te plaît. Oh, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Allez, je veux voir si ça va dans la forge, s'il te plaît. Non. Pourquoi je suis en vue extérieure? Ah bah c'est bon. Ah non, bah c'est fini. Oh mon dieu, c'est fini. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche?
Est-ce que ça marche? Oui. Ça a pas l'air de marcher. Ça bloque. Oh non. Bon bah voilà. Waouh. C'est gigantesque. C'est titanesque. Même sur Interstellar, elle était pas aussi grosse, hein, je crois. Oh si, quand même. Ah bah du coup, on peut voir la map avec la forme de chibre là-bas qui vient de se faire engloutir. On va direction la planète Terre. Incroyable. Ah mais non, elle est là, la Terre. Bah, qu'est-ce que cette histoire maintenant? Oh waouh. C'est gigantesque. C'est titanesque. Et voilà. Ah non, je pensais qu'on pouvait encore jouer. Cette planète est trop dangereuse. On est arrivé à la fin de la démo. Mais on peut toujours essayer de se préparer à s'échapper. On doit construire... Mince. On doit construire des trucs nucléaires. Ah, pour le vaisseau, etc. Ah, et on peut explorer différentes planètes, par contre. Visiblement. Il y a de l'uranium et tout. On peut explorer différentes planètes. Non. Eh, on peut continuer de jouer en fait. Oh non, je vais mourir. En fait, on peut continuer de jouer. Bon, on va arrêter là. Ça me paraît plutôt raisonnable pour une démo. Par contre, en fait, je crois que le conteneur est full. C'est pour ça que ça s'est bloqué. No power? Ah bah oui, il n'y a plus d'électricité. Mon éolienne, elle a cassé. Mon éolienne, elle a cassé. Oh non, mon éolienne. Salaud, ils ont cassé mon éolienne. Attendez. Ce sera vite réparé. Hop. Ah, purée, mon éolienne. Voilà. Et là? Ah non, là, ça bloque. Je l'ai mal placé. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est superbe. Eh ben, plutôt... on a toujours pas fait la pompe à eau, en fait, hein. Mais bon, c'est pas grave. Plutôt agréablement surpris pour le moment, pour une démo, c'est plutôt sympa. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me faire part de vos avis, vos commentaires, vos craintes, vos suggestions, vos idées. Et puis, n'hésitez pas à l'essayer par vous-même, puisque comme dit, il est sur Steam, il est gratuit, il est en démo actuellement. Le lien est en description, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Voilà. Allez, on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, bon week-end. Ciao tout le monde. Eh wesh flex, eh wesh flex, get mes réflexes, get mes réflexes, emoji biceps, emoji biceps, Mkolo the best, Mkolo the best.